Et donc salut à tous et à toutes, c'est Dark Games et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très spéciale pour vous expliquer clairement pourquoi j'ai été banni des jeux Animal Crossing New Leaf. Alors, tout d'abord tout a commencé quand j'ai pris une ville dangereuse. Comme elle n'était pas très belle, j'ai voulu complètement la transformer en un paradis. Comme elle était dangereuse avec une porte de salon détente, c'était équivalent à presque Pokéland en fait, parce que je l'ai rendue vraiment dangereuse et belle en même temps. Je l'ai republiée dans les rêves oniriques et alors qu'elle était déjà supprimée, donc c'est moi qui l'ai remis. Donc les gens ont commencé à la reprendre, etc. Enfin, plein de gens, puisque la ville était japonaise de base. Et une fois que les gens ont commencé à la reprendre, Nintendo a remarqué un truc qui n'allait pas chez moi. Enfin, un truc qui clochait chez moi. Donc, Nintendo l'a remarqué et a vu que ça tout revenait sur moi, en fait. Ça partait de moi. Ils l'ont remarqué, Nintendo. Nintendo, ils ne sont pas bêtes, hein, quand même. Et ils ont remarqué que j'avais fait une connerie. Donc, cette connerie, ils l'ont remarqué. Donc, dès qu'ils l'ont su, Nintendo m'a directement bloqué l'accès internet sur les jeux Animal Crossing New Leaf. Donc je vais vous le montrer. J'active. Voilà, Nintendo a restreint l'accès aux services en ligne sur cette console. Pour toute assistance, visitez le site support nintendo.com. Donc voilà. Et c'est un code d'erreur 002-0102. Donc il faut que je les appelle ou il faut que j'attende 6 mois avant qu'ils me débannissent pour que je rejoue Animal Crossing New Leaf en ligne. De plus, j'ai hacké des villes. Donc j'ai créé ma ville, ma propre ville hackée, comme River Run. Donc en gros, un peu, voilà, style comme ça. Et Nintendo l'a remarqué aussi, et donc du coup c'est pour ça, enfin c'est à cause de ces deux faits que Nintendo m'a bloqué. En gros j'ai trop hacké, mes deux cartouches. Et quand tu hackes trop tes deux cartouches, Nintendo au bout d'un moment il le remarque. Et donc du coup il te bloque, pour plus que t'aies accès en ligne à internet. Quand tu hackes juste pour faire joli un petit peu de hack, d'accord. Mais moi j'ai vraiment abusé. Vous savez pas les gens à quel point j'ai abusé sur le hack, et je le reconnais. Et pourtant... au début je savais pas hacker, mais depuis que je savais hacker, j'ai utilisé tous les logiciels de hack possibles depuis que je sais hacker. Et bah maintenant j'en subis les conséquences. Voilà, j'aurais pas dû mettre trop de... à force de mettre des gros bugs dans sa ville, on mérite tout ce qu'on a. Hein. C'est à force de mettre des gros bugs dans sa ville que Nintendo le remarque. Automaton, bateau qui vole, porte de salon de détente, ville complètement buggée. Tout ça Nintendo le remarque. Et une fois qu'il l'a remarqué, il te bloque l'accès internet sur les jeux Animal Crossing New Leaf. Voilà, donc les gens, n'achetez pas trop votre ville. Voilà, c'était les explications pourquoi j'ai été banni des jeux Animal Crossing New Leaf.